Salut à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu partout où vous me suivez. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter comment préparer les chenilles. Comment moi je prépare les chenilles, appelées autrement dit en swahili, bilulu, et en lingala, mbinzo. Comment le faire? Allons-y. Voilà. Ça, ce sont mes chenilles que j'ai déjà très bien rincées. Premièrement, quand vous achetez les chenilles, il faut trier ça avant de préparer ça. Il faut trier comme on le fait avec les haricots, parce que ça vient avec beaucoup de déchets, des saletés, des sables, tout ça. Alors, avant tout, il faut trier ça pour que ça soit propre. Après avoir trié, moi, je préfère mieux Kotokisango, donc bouillir ça. Avec du sel. Mususu, a ko préféré ko tchango na maya moto, a tchepe moa mungwa muke. Donc, moi, je préfère mieux débouillir ça. Là, j'ai déjà bouilli, donc mes chenilles sont déjà prêtes. C'est déjà prêt pour la préparation. Alors, ce qui au sombi ayo, au trier, tu bouillis aussi, tu laves ça à plusieurs reprises pour éviter que les sables puissent persister. Parce que des fois, quand on prépare, quand on mange plutôt, on écrase le sable, ça dégoûte deux fois, ça dégoûte totalement. Alors, pour éviter tout ça, il faut bien rincer ça jusqu'à ce que tu remarques qu'il n'y a plus de sable. Alors, pour préparer mes chenilles, comment je vais le faire? J'aurai besoin de mes oignons. J'ai mélangé mes oignons avec le ndembi. J'aurai besoin de l'ail. J'ai mis un peu d'ail pour que ça ne puisse pas exagérer. J'aurai besoin du poivron. J'ai mélangé les couleurs pour donner un peu d'esthétique. J'ai mélangé le poivron vert et les poivrons rouges. J'aurai besoin de tomates. Vous pouvez remarquer, il y a d'autres qui n'utilisent pas les tomates quand il faut faire leur chenille. Mais moi, je préfère mieux ajouter aussi la tomate, ça fait aussi du bien. Et au dépend de la moto. Cuisine les akamoko, mais kolamba des akas différents, ma façon est belée. C'est pour cela que j'ai dit on se complète. J'aurai besoin aussi du muscade. Ça, vous pouvez remarquer, au Eza muscade, il y a en poudre. Hein? Et surtout les Nigériens, j'ai acheté ça chez les Nigériens vraiment. Au Eza muscade en poudre. Je vais aussi utiliser les muscades. Je vais mettre un peu de citron pour que et pesagouana moi citron. J'aurai besoin de du sel. J'aurai besoin de moi bouillon et de l'huile et aussi de l'huile. Voilà, là j'ai mis déjà mes chenilles au feu. Je vais mettre maintenant tous les épices à la fois pour qu'elles aient au kanango ensemble. Avec aussi bon, un peu d'eau. Voilà. Je vais mettre maintenant mes épices ensemble. Je mets l'ail. Je vais mettre tous les épices ensemble pour que et au kayango sont ensemble. Nature moi bouillon ngai. Natché muscade nangai, moi un peu de muscade. Je vais mettre mes oignons. Je vais mettre un peu de sel parce que le bouillon aussi contient du sel. Donc, il faut que ça ébélé pour que ça exagère. Non, pour que ça n'exagère pas plutôt. Là, maintenant, je vais mettre un peu d'eau pour que etoka. Na huil na biso. Tango, on va remarquer que maïe sili de ekobanda maintenant ko kalingama. On va mettre huile na biso. Tango maïe ko sila de on viendra maintenant voir quand l'eau va se terminer. Ça va commencer maintenant à s'égrayer. Et puis, on se revoit pour voir comment toko griller
les chenilles Nabiso. On a oublié d'ajouter un peu de citron, comme je vous avais dit. Donc, on va ajouter juste un peu de citron pour donner du goût aux chenilles. On se revoit dans quelques minutes pour continuer avec notre préparation. Là, nous sommes en train de remuer nos chenilles pour qu'elles aient canacété. Les chenilles, c'est trop vitaminé. Faut avoir l'habitude de manger les chenilles. C'est trop vitaminé. Je voyais nos mamans, hein, dans l'ancien temps. Ils avaient l'habitude de d'épiler ça pour les enfants et mettre dans la bouillie des enfants. Au moins, moi, Natala Mabundi. Ça, trop de vitamines, trop de protéines. Donc, ozalape, sokolia kango. Pour banisu, c'est ça, kabango, allergique. Mais moi, je mange ça. Moi, je mange ça. C'est trop bon pour la santé. Il y a trop de protéines. Du fort lambeli papa. Et ça, et ça la paix kaka bien. Lambi yomoko, changer deux fois. Modèle ya kolamba yango. Deux fois au tchè tomate. Parfois au tchè tomate té. Donc, au sangisaka kaba recette. Et ça bien. Comme kaba recette nyonso. Kolamba kaka recette moko chaque jour té. Faut vraiment que changer. Ça fait du bien. Pour mon acquis, moutoulelo, allez boyer, l'obi allez boyer, et puis ça rappelle moi appétit. Donc, on va laisser notre chenille et Bella et continuer la couper là. Et puis, on se revoit dans quelques minutes. Vous pouvez voir comment mes chenilles sont en train de bouillir. Mes chenilles sont en train de bouillir. Il faut vraiment. Il faut vraiment tenir compte, pour remuer à tout moment pour que et zikana c'était. Faut vous abonner, hein, s'il vous plaît. Vous s'abonner, please. Vous abonner massivement. Likez, commentez. J'ai besoin de vos likes, de vos j'aime. J'ai besoin de ça. Vous voyez comment mes chenilles sont en train de bouillir. Avec toute puissance, parce que j'ai déjà mis presque motonanga na souka vraiment pour qu'elle la bien. Yeah. Pour qu'elle la bien. Pour s'abonner. Ceux qui la première fois na eu la nangaï. Donc, au s'abonner pour que au bando raté, bah numéro mon sou te. S'il vous plaît, vous abonnez, vous partagez massivement. J'ai besoin de vous vraiment. Vous soumangaï, vous likez, faut liker, partager, aimer, s'inscrire. Si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Vous voyez, nos chenilles sont en train de bouillir. Donc, on attend toujours. Faut que maï oignon sort et si là pour que ça commence maintenant au kalingama, c'est ça. Alors on attend encore. Voilà, laisse nous voir ce qui se passe maintenant à l'intérieur. Là, il y a quoi? Il y a quoi? L'eau a diminué ou pas? Yeah. Vous pouvez voir maï na biso. Et bandit aussi là, moni à lire, y'a chéni n'a biso n'engé koma. Ma et bandit aussi là, donc ça ne se brûle pas. J'espère que ils a bien. Moni n'engé sangani na ba épice nanga et sangani vraiment. Sangani n'yon sort, koki komo na ba épice, ça commence maintenant à cuire. Ce qui est belle, au moins, à qui attaque et puis nous sommes en go à ça va vraiment s'écraser facilement. Ce qui est belle, au moins, à qui et on s'écraser facilement. L'ambela papa, l'ambela papa, vraiment, koyoka qui toko. Ba chenille, ça a vraiment nourriture, moi quoi bien.
Et ça, vraiment, ce que j'ai en gros, vitamine et bakisami. Au lieu en gros, il y a qui vraiment vitamine et bakisami tenza. Donc, faut avoir l'habitude de manger les chenilles. On m'équipe. Et ça, qui toko. Attends, à goût. Et ça, qui toko. Mais qui kaka. Ce qui ça va aller ou pas. On m'équipe à différentes recettes. Mon tomosu soroki komona ye na YouTube alambi aye asangisi yango na ba ba juste ba ba matungulu ba poivron mais ache tomate te eza mauvais te eza erreur te c'est normal nga pe na préféré na ba ki sape tomate eza ka normal eza cuisine eza moko mais kolamba eza différent moni donc bon essayer puis pas banda qu'on a bino ça va ça sera vraiment trop bien na pesi mbote na balandi na nganyonso na pesi mbote na mobali na ngai Teddy Kafindo mobali na ngai ya motema na pesi mbote na pasi kaota ma grande soeur préférée à Afrique du Sud na lingaka ye mingi penza na papa Arnold na lingaka ye mingi yaya na nga ya Afrique du Sud na pesi mbote na baninga na nga nyonso Joël Cynthia Iget yaya na nga ya motema na pesi mbote na chef Jidel Mukumbi mobali ya Aurélie na pesi bino mbote. Bon appétit, bon meka kolamba cheni na banda kuna bino boza déçu te. Boza la déçu te. Déjà nos cheni commence déjà à se griller. Ma esili apparemment. Okoyo kata son nango, ça commence à se griller. J'étais en train de dire, essayez aussi la banda qu'on a dit, non. Vous allez dessus, tes akitoko, vitamine, ma casse. Tosez là, car on a une belle. To, couvrir en gros et continuer à couper là très bien. Voyons maintenant, j'espère que. Et belle apparemment. Moni, bandi ko kalinga matiko ya. Ça va, j'espère. Recette na biso. Yo. My phone. OK, vous pouvez voir que ma ici est fini. Moni, là, c'est en train de se griller. Moni, et bandi ko kanga na se. Ba épices na biso nyonso ebeli. Mon ata apparence nango échangé hein. Moni échangé. Donc ebeli. Là, vous pouvez voir comment recette na biso ezali. Bon appétit à tous. Essayez, vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus. Bon, t'as la n'engue recette des alliés. Exactoko. Quand ne bon mon ango boe, na monokope, exactaka kitoko. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci vraiment pour tout. Laisse-moi mettre ça très bien. Vous pouvez voir comment ça semble être. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement, partagez, aimez. Vous ne serez jamais déçus. Merci. Soki nzambe azongite lelo tomonana na prochain numéro. Merci. Je vous aime bien. Bye.